en Ile-de-France. Écoutez IDFM sur 98FM. IDFM, toujours plus proche de vous. Chers amis, bonjour. Vous êtes en compagnie de Bernard Ventre et de Paul Forti à la technique. Je suis heureux de vous retrouver sur IDFM Radio Anguin pour l'émission Balade musicale. Je me propose de vous faire découvrir ainsi chaque lundi de 16h à 17h et les deux premiers jeudis du mois de 17h à 18h des événements actuels autour de la musique dite classique, notamment le Requiem de Mozart qui sera interprété mardi 14 octobre à l'église Saint-Eustache à 20h30. Y participe mon invité, le chanteur lyrique, il est ténor, c'est Stéphane Sénéchal, qui revient d'une belle tournée au Japon. Et en aparté, il m'a dit qu'il revenait des États-Unis et qu'il avait eu du mal à supporter ce changement d'horaire. Pour l'accueillir, voici le Lacrymosa du Requiem de Mozart. C'est impressionnant. Bonjour Stéphane Sénéchal. Bonjour Bernard. On vous retrouve à nouveau sur les ondes d'IDFM Radio Anguin. Écoutez, je suis ravi, une fois de plus, que vous m'y invitiez et de participer à l'exercice de l'interview radio qui est absolument passionnant de spontanéité. C'est vrai, c'est la convivialité de nos radios qui fait que cette émission a de plus en plus de succès. Et vous êtes là aujourd'hui, certes pour nous parler de ce Requiem de Mozart, quoique finalement, on ne peut pas dire qu'il y ait de grandes parties de solistes dans ce Requiem. Bon, tout d'abord, le Requiem de Mozart est un chef-d'œuvre absolu. Oui, c'est vrai. Deuxièmement, un chef-d'œuvre, bien sûr, pour la partie chœur aussi et orchestrale. On vient de l'entendre, ce Lacrymosa est absolument génial. Deuxièmement, effectivement, la partie soliste est relativement courte et se passe toujours principalement en ensemble. Il y a quelques phrases à l'intérieur et nous avons bien sûr le fameux « Tuba Mirum » qui est magnifique. En gros, il y a quatre ensembles de solistes, mais qui sont de pures merveilles, d'harmonie, de rythme, de délicatesse, avec la véritable nuance piano, pianissimo qui doit être en permanente. En permanence dans le cœur de la voix. Et puis on n'est pas déçu avec Michel Piquemal qui conduit les chœurs, Vittoria, Île-de-France.
Alors effectivement, là c'est, on va dire, la cerise sur le gâteau, puisque Michel Pigmal est un des plus grands maestros et chefs de chœur, et particulièrement dans le répertoire de l'oratorio, et j'en suis doublement honoré, tout d'abord parce que je lui voue et lui dois un immense respect et admiration artistique, et deuxièmement parce qu'il a beaucoup collaboré avec mon père adoptif qui est Michel Sénéchal. Vous dites père adoptif, et c'est vrai, car vous êtes le fils spirituel de Michel Sénéchal. Alors ma question, on parlera ensuite de sa carrière si vous le voulez, que vous a-t-il, d'abord, comment va Michel Sénéchal ? Michel n'arrive pas à aller mal. Il va toujours très très bien, voilà ce qu'il me dit. Écoute Stéphane, je n'arrive pas à aller mal. Donc voilà, je pense, une magnifique leçon à bientôt un âge qui se rapproche à une décennie de 100 ans. Il a chanté longtemps. Il a chanté très longtemps, 56 ans de carrière, 25 ans de maître et partout dans le monde. Je me souviens, c'était en 1957, je l'ai entendu à l'Opéra de Lyon, oui, dans le Barbier de Séville. Oh, il y était remarquable. Je crois qu'il a marqué ce rôle, il a marqué ce rôle pour l'éternité. Il y était remarquable de fantaisie, de joie, d'esprit. Piéglerie, de vocalité, bien sûr. Évidemment, ça faisait suite à son exceptionnel platé où il a montré là que, effectivement, le Rameau, qui est, d'ailleurs, nous étions dans l'année Rameau, était au centre de toute la musique française. Alors, peut-on, moi, je me suis toujours demandé pour quelle raison vous étiez devenu le fils spirituel. Peut-être parce qu'il y a le rapprochement des voix. Vous êtes ténor, vous chantez, vous pouvez chanter ce qu'il a pu chanter durant sa carrière. En fait, que vous a-t-il apporté dans le déroulé, dans le suivi, dans ce que vous faites actuellement ? Michel est un monstre sacré. Michel Sénéchal est un monstre sacré, transversal. Il a touché tous les répertoires, il a touché tous les continents universels. Évidemment, j'ai commencé ma carrière avec Malbec Garcia. Et j'ai décidé de changer, mais évidemment, ce changement, cette décision ne s'est pas faite toute seule. Ça a été l'intervention de deux phénomènes. Tout d'abord, j'ai envie de dire l'honneur que j'ai eu que Michel me le demande. Stéphane, pourquoi ne t'appellerais-tu pas Sénéchal ? Après tout, tu peux, puisque, je le précise là à l'antenne, je ne suis pas que le fils spirituel, je suis le fils adoptif, légalement adopté par une adoption simple. Alors ça, c'est un autre problème. Ça a peut-être été l'objet, d'ailleurs, de certaines choses. Mais disons que le principal legs est d'essayer, on va dire, de me rapprocher d'une idée de l'art du chant français et de l'esprit français qu'il a donné au monde. Et deuxièmement, c'était aussi l'intervention très forte de mon agent lorsque je me suis, lorsque j'ai commencé ma carrière aux États-Unis, qui d'ailleurs a très bien démarré par un pêcheur de perles au Kennedy Center à Washington et qui de là m'a emmené à Dallas, m'a emmené à Houston, m'a emmené à San Francisco. Dans ce rôle qui a été finalement mien, et je précise, qui était très peu joué aux États-Unis. Donc pour terminer, à la demande de mon agent qui m'a dit, tu sais, Michel Sénéchal est tellement connu aux États-Unis que si tu t'appelais Sénéchal, eh bien... Ça ouvrirait les portes. Ça ouvrirait effectivement quelques portes. Ensuite, c'est le talent qui, j'espère, aura fait le reste. Dans ce métier, on a besoin d'encouragement, on a besoin de soutien. C'est un métier extrêmement difficile, c'est un métier extrêmement exigeant et c'est en même temps le complément d'être un métier passionnant. On est toujours sur le fil du rasoir, on est toujours en haut de la falaise des émotions, la falaise du cœur, la falaise de l'intention vocale. Et donc, sur cette base-là, effectivement, de nombreux voyages, de nombreuses fatigues. Mais on a la récompense sublime qui, à mon avis, se distribue en deux points. Tout d'abord, de procurer de l'émotion à un public. Et deuxièmement, d'essayer de servir au mieux un compositeur. Alors, vous avez commencé à réaliser des disques. Et... Oui, parfaitement. D'ailleurs, en ce moment, on m'a sollicité, puisqu'en ce moment, il y a une grande... tournée autour des fameux Caprices de Marianne de Sauguet sur...
un texte de Grédy et de Musset, bien sûr, la base. Et cette année, il y a une grande tournée en France et on a pas mal utilisé deux disques dont je m'honore. Tout d'abord, le premier, qui était celui de Michel Sénéchal et d'Andrea Esposito en 56, et le deuxième, qui avait été fait à Aix-en-Provence, qui avait été fait au Théâtre Impérial de Compiègne sous la direction de Pierre Jourdan, remarquable directeur, qui était celui dans lequel je participais comme Célio. Cet enregistrement a d'ailleurs gagné un grand prix, il faut quand même le dire, à la BBC, le grand prix de la BBC à Londres, où j'ai été invité d'ailleurs l'an dernier pour rechanter quelques extraits. Alors une belle carrière. Je dois reconnaître que ça on peut dire que c'est une carrière qui commence à jeter son encre, oui. Oui, les notions de carrière sont vraiment très compliquées parce que il est très difficile de comparer grande, petite carrière. Est-ce que ce sont que des grands rôles, des grands théâtres, etc. Pour ma part, la carrière est quelque chose qui est, comme au sens, j'allais dire, géologique du terme, elle s'est creusée et elle a créé même un creuset dans un répertoire relativement spécifique qu'est celui du répertoire français. Alors j'ai un peu touché au répertoire italien, bien sûr, puisque j'ai fait beaucoup de Barbier, Ottavio, j'ai fait bien d'autres choses. J'ai même récemment interprété en récital à Fort Worth aux États-Unis une version de la Bohème qui a été enregistrée d'ailleurs, et l'Élixir d'amour. Mais je n'ai pas encore interprété certains rôles qui sont même dans le CD qui va sortir, évidemment, qui est un CD de grands tubes sur scène, car ils ne me correspondent pas directement. Je reste malgré tout un ténor pour l'opéra comique français, les Américains le savent, et pour Mozart. Avec une excellente prononciation. Il est vrai que vous faites partie, c'est vous, même vous qui avez créé l'art, cette association, l'art du chant français. On en reparle dans un instant. On parlait de Donizetti. Et bien sûr, un chef-d'œuvre, l'Élixir d'amour, et Una Fortiva Lagrima. Alors, nous écoutons, et c'est un grand bonheur, n'est-ce pas, de vous écouter.
palpiti senti, con fondere i miei, co suoi sospiri. Vous venez d'entendre sur les ondes d'IDFM Radio Anguin un extrait de l'Élixir d'amour de Donizetti, Una Fortiva Lagrima. Alors bon, moi je suis très ému parce que finalement je remarque une progression, on peut même parler de progression parce que une progression continue depuis l'an 2000 où vous aviez remporté un prix à Montdidier. Effectivement Bernard, c'est d'ailleurs là que, je me permets le passé simple, nous nous rencontrâmes. Mais voilà un maître de la parole française. Hein. Merci. Il est vrai que c'est à ce moment-là, donc effectivement, que nous nous rencontrâmes. Je dis nous nous rencontrâmes parce que ce fut court, mais cela a généré un début de relation et d'amitié finalement autour de l'art lyrique, autour aussi d'un être qui a été essentiel dans mon parcours et que je tiens à citer, qui s'appelle Bernard Scotto-Lemassez, Pierre Scotto-Lemassez, dont je salue d'ailleurs sa femme, Cora. Il a été fondamental pour moi, il était d'ailleurs de Soisy, il était là à ce concours, il m'a repéré, il est venu vers moi et il m'a dit « il faut que tu fasses du chant, il faut que tu travailles certains airs, je travaille encore aujourd'hui ». Sous le regard, certes, de Michel Sénéchal, les deux avaient beaucoup d'admiration l'un pour l'autre, mais je travaille encore aujourd'hui des airs qu'il me conseillait, quelques grands Gluck, Werther. J'étais pas tout à fait au point à l'époque, mais il m'a donné l'essentiel, je crois, du chanteur, c'est-à-dire ce qu'on apprend nulle part ailleurs, même avec un très bon professeur. Il m'a donné l'intention. Et ça, c'était important pour vous? Fondamental. On peut avoir toute la ligne, toute la technique du monde, on peut avoir tout le legato, toute la maîtrise du solfège, sans l'intention, sans le geste, sans le cœur et sans la diction, je ne crois pas qu'on puisse aboutir à des sommets en matière de chant. Il est vrai qu'il se retrouvait en vous, Stéphane, parce qu'il avait chanté ces airs-là, parce qu'il fut ténor, il ne faut pas l'oublier, effectivement, avec un timbre. Somptueux. Absolument somptueux. C'était vraiment un magnifique grand ténor lyrique. Moi, je suis resté dans ma patte, d'ailleurs, qu'il m'a toujours conseillé. Tu es un ténor lyrique léger avec une capacité d'aller vers parfois plus lyrique et d'autres fois vers plus léger. Mais je me rappelle, il me disait toujours, dalla sua pace, à la fin de n'importe quelle représentation ou de n'importe quel spectacle où tu pourrais chanter des choses un peu plus lyriques doit être effectivement ton moyen de conserver ta voix. C'est-à-dire, et d'ailleurs, dans cet air qui est extrêmement difficile de l'élixir d'amour, Una Furtiva Lagrima, qui est en même temps un tube absolu,
les pianissimi, la clarté du timbre, la diction, la ligne et le souffle, et la souffle sont oui. absolument fondamentales. Et les sons sont, viennent facilement. On a l'impression quoi, que c'est bien en vous. C'est bien en, voilà. Oui, c'est tout simplement bien en moi parce que je l'ai aussi beaucoup chanté sur scène. Et beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé. Cet enregistrement a été fait, je le précise, en direct avec l'orchestre de Fort Worth. Pour ceux qui ne savent pas où est Fort Worth, c'est juste à côté de Dallas, dans le Texas. Et c'est une des plus grandes maisons des États-Unis. Et c'est aussi là où il y a un grand festival où a démarré d'ailleurs René Fleming. René Fleming faisant partie du comité d'honneur de l'association que préside Michel Sénéchal et que je dirige, qui s'appelle ACF, l'art du chant français, et qui se retrouve à faire de nombreuses masterclass et concerts de par le monde. Cette année, nous étions aux États-Unis, à New York, où nous avons des partenariats avec la Juilliard School, la Manes School, mais nous étions aussi en Chine, au Japon, et ça va continuer. Alors, le chant français, avec vous, on va certainement mieux le remarquer, par exemple dans Carmen. Effectivement. Alors, Carmen, c'est quelque chose qui a toujours été en moi dans l'intention, enfin, le rôle de Don José. Carmen, c'est pas pour maintenant, peut-être ça le sera un jour. Je plaisante. En ce qui concerne le rôle de Don José, effectivement, j'ai toujours regardé de près cette partition. Et j'ai été voir de nombreuses interprétations. Et souvent, je suis tombé devant, j'ai même eu le vice d'aller voir certaines représentations avec la partition sous la main. Et même pour des ténors que j'ai pu admirer, que j'admire toujours au plus haut point, je suis assez surpris que bien souvent, l'ego ou voire même le public passe au-delà finalement de la tradition. Je crois que quand on lit la partition de Carmen, Don José et l'écriture de Bizet est d'une délicatesse telle qu'on se doit de respecter les nuances, qu'on se doit de respecter les pianos, les pianissimi, car il y en a plein. Et enfin, je dis bien que l'air de Don José n'est pas une cabalette, c'est une romance. Donc, effectivement, je l'ai aussi interprété et je l'ai chanté plusieurs fois sur scène, particulièrement aux États-Unis et en France aussi. En fait, vous voulez rester dans l'authentique. Je veux essayer de rester dans l'authentique. J'ai effectivement mon maître Michel qui... Michel Sénéchal, qui à chaque fois me dit « tu ne dois pas dériver de la nuance ». Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à la fois critiqué pour cela, mais je pense qu'on peut parfaitement passer d'une interprétation de Don José telle qu'elle a été écrite à une magnifique mélodie de Poulenc ou autre. Enfin, si on vous propose de chanter ce rôle, vous ne refusez pas, si à l'opéra, ça pourrait non, arriver, vous ne refusez pas. Absolument non. Pas. Bien sûr, les cordonniers sont les plus chaussée. En France, on ne me l'a pas encore... Si, on me l'a proposé deux fois. Mais enfin, bon, ça ne s'est pas réalisé. Par contre, ça s'est réalisé en Allemagne, en Suisse, en Espagne. La dernière fois, c'était au Festival de Mérida. Et surtout aux États-Unis, où j'en ai donné une interprétation qui a été glorifiée même d'un CD. J'ai été très honoré de cela. Alors, nous allons à nouveau vous écouter dans La fleur que tu m'avais jetée, extrait de Carmen, hein, qui ne connaît pas Carmen, c'est un tube. Vous parliez de tube tout à l'heure. C'est un tube absolu. Oui. Je tiens à dire que la référence en matière de CD de Carmen, on pourra dire que il y en a de nombreuses. Il y en a une qui est connue du grand public, c'est l'interprétation de Callas et Nicolas Higueda. Je précise que Nicolas Higueda a été aussi un interprète que j'admire et qui est totalement transversal de la voix, puisque il a aussi bien chanté La Dame Blanche ou Le Postillon de Longjumeau. Qu'il a chanté quelques mélodies du Rameau et même Don José. Donc, tout dépend de la façon de chanter. La voix, c'est une chose, le chant en est une autre. Et pour conserver sa voix, il faut garder les nuances, l'interprétation donnée par le compositeur. Et c'est vous, c'est ce que vous faites. Alors, on va certainement le remarquer, parce que cette interprétation, j'ai l'impression que, finalement, vous différenciez. J'essaye tout simplement de respecter la seule personne, à mon avis, qu'on doit respecter au-delà de tous, car je me permets de dire, comme a dit d'ailleurs le pape récemment, « Qui suis-je pour juger ?» J'ai envie de dire « Qui suis-je pour modifier ?» Le compositeur a écrit des nuances, il faut les faire comme elles sont écrites, je ne suis pas compositeur, c'est comme ça. Et on parlera de la mise en scène, si vous voulez bien, après vous avoir
entendu dans La fleur que tu m'avais jetée, extrait de Carmen de Bizet.
La fleur que tu m'avais jetée, extrait de Carmen de Bizet, que nous venons d'entendre interprété par Stéphane Sénéchal dans cette ballade musicale qui se veut aujourd'hui très lyrique, parce que finalement, Don José, c'est très lyrique. C'est un rôle qui me paraît vraiment difficile. C'est un rôle... Qu'en pense Michel Sénéchal? Il vous a entendu? Alors... Michel, évidemment, n'aurait pas considéré que c'est un rôle pour moi il y a encore quelques années. Et d'ailleurs, il ne l'a pas considéré comme tel. Nous avons malgré tout travaillé la partition, car les exigences du métier font que l'on m'a demandé ce rôle, et particulièrement à l'étranger. Le troisième acte est certainement le plus lyrique et le plus complexe. Il s'agit de le gérer, je le répète, grâce au secret qui est de chanter ce qu'a écrit Bizet. Il ne s'agit pas de chanter plus. Je rappelle que lorsqu'on a proposé la platée aujourd'hui à Michel Sénéchal, à l'époque, contrairement à ce qu'on peut croire, il n'avait rien de ce genre de voix. Et c'était même très tendu. Aujourd'hui, on le considère comme étant une référence dans le style, mais il a fallu qu'il travaille beaucoup, 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 qu'il accommode sa voix, qu'il travaille le mix, qu'il travaille beaucoup de choses. Donc, effectivement, c'est un répertoire qui coule moins de sources en ce qui concerne ma voix, puisque je fais beaucoup plus d'opéra comique au sens Mignon, Gérald, Pêcheur de Perles, etc., ou de Mozart. Et des opérettes aussi. Et beaucoup d'opérettes, voilà. Mais il se trouve qu'à l'étranger, pour ce qu'on me reconnaît de qualité de diction et de timbre et de facilité dans les aigus et de pianissimi, eh bien, on me l'a demandé et j'ai été très honoré de le faire. Quel est l'orchestre qui vous accompagne? Alors, je rappelle, effectivement, c'est l'orchestre de Fort Worth. C'est une grande ville qui travaille en collaboration avec l'opéra de Dallas. Et au Japon, comment ça s'est passé? Racontez-nous l'accueil des opéras, des récitals, des concerts, bien sûr. Je suis parti pendant un mois. Des duos, peut-être, pourquoi pas? Effectivement, je suis parti pendant un mois au Japon pour faire toute une tournée. À la demande d'une amie japonaise qui s'appelait Mayuko Karazawa, qui a chanté avec moi à l'Opéra de Reims une zarzuela en décembre dernier, qui s'appelle La Verbena de la Paloma. Et nous avons fait une série de récitals et duos. J'avais fortement orienté sur le répertoire et le patrimoine français. Donc nous avons chanté beaucoup de choses relatives à... une période où, effectivement, tout ce qui était japonisant était extrêmement à la mode en France, fin du siècle dernier et début fin du 19e siècle et début du 20e siècle. On voit d'ailleurs dans de nombreuses estampes de Toulouse-Lautrec complètement passionnées par... Et donc, j'ai utilisé un répertoire d'opéra comique, de mélodies françaises et d'opérettes dans ce cadre-là. Je tiens à préciser que les Japonais sont fascinants. Ils sont absolument fascinants. On arrive dans ce pays, ils parlent un français certes mimétique, mais ils le parlent parfaitement. Ils vous interprètent « Soupir » de Duparc sur un texte de Sully Prudhomme d'une remarquable façon, et je tiens même à dire tellement remarquable que certains français pourraient même aller les écouter. Beaucoup font carrière en France. Et beaucoup font de magnifiques carrières. Japonais et coréens inclus font des carrières absolument remarquables. Mais quelque part, vous ne regrettez pas cette mondialisation en ce qui concerne les chanteurs que l'on va dire à voix? Parce que pour les variétés, ça fait déjà pas mal de temps. Mais là, on a l'impression que, je ne dis pas une invasion, mais il y a beaucoup de chanteurs, de grands chanteurs qui viennent de l'étranger. Ça ne vous gêne pas? Je ne peux pas dire vraiment que ça me gêne, puisque je participe moi-même de la mondialisation. C'est vrai, vous allez au Japon, en allant partout, vous allez aux États-Unis. Voilà. Néanmoins, j'y participe d'une façon extrêmement sélective. Je tiens à rappeler que j'ai eu la chance d'intervenir dans de nombreux théâtres de province et admirables comme Toulon, Marseille, Avignon, Bordeaux, etc., dans des œuvres françaises. Je me rappelle la première invitation de Raymond Dufaux, ce remarquable directeur qui m'invite à Avignon pour chanter
paillasse des saltimbanques de Louis Gann. Aujourd'hui, tout le monde a oublié le fameux « Seul amour », alors que c'est absolument splendide, c'est un chef-d'œuvre. J'ai transposé ça aux États-Unis, ils étaient dingues, ils venaient me voir, alors qu'avant, je pouvais avoir chanté « L'élixir d'amour »,« Werther » et compagnie. On m'a rappelé simplement sur des choses qui leur étaient complètement inconnues et fascinantes. Donc en ce qui concerne la mondialisation, si on peut parler de cela, je voudrais juste revenir à une phrase qui est un peu notre leitmotiv dans l'art du chant français. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui chantent en français. Mais peu sont ceux pour qui le français chante. Le français est une langue qui chante. Le français est une langue qui n'a certes pas d'accent tonique, comme dirait mon maître, mais on lui donne sa tonicité, on lui donne sa vitalité, on lui donne sa musique. Et la régularité, soi-disant évoquée par Boileau ou Malherbe, est dans l'équilibre des phonèmes, ce qui en fait sa richesse. Mais on doit y rajouter de sa personnalité pour interpréter. Tout ça fait que dans la mondialisation, ce que je réprouve, c'est qu'aujourd'hui, on en arrive à sous-titrer des œuvres françaises, mais même parfois pour des Français. C'est l'articulation, la prononciation. C'est fondamental dans le chant. Pour moi, c'est le cœur même du chant. Le chant, la voix n'est qu'un moyen pour moi du chant, n'est qu'un vecteur du chant. Ce qui fait le chant, ce qui fait la voix, c'est la distance entre le son que l'on produit et la voix que reçoivent effectivement votre public. Cette voix qui va directement au cœur et à l'esprit, en ce que, évidemment, on porte un message qui a un sens. Un artiste s'engage. Pourquoi il s'engage? Pourquoi un artiste doit être engagé? Parce qu'il dit pas des phonèmes inarticulés et incompréhensibles, il dit un texte qui dit un message, et ce message date d'une époque, écrit par un auteur, le texte préexiste d'ailleurs toujours à la musique, et il est parfois transposable à aujourd'hui. La question de Carmen est transposable aujourd'hui. Alors si je comprends bien, vous n'êtes pas prêt encore à chanter n'importe quoi. C'est là justement où peut-être je me réduis, où je réfrène ma carrière, et ça explique aussi le CD que j'ai pu faire aux États-Unis, qui était une sorte de patchwork des grands tubes de ténor. Je me suis dit, on me l'a demandé aussi en Chine, je me suis dit qu'un jour je l'ai chanté. Pourquoi pas, par exemple, Cavaradossi ou tout ça, je sais très bien que je ne le chanterai pas sur scène, en tout cas aujourd'hui, et qu'on ne me le proposera pas. Mais là n'est pas le problème. Je choisis sur scène, véritablement, des choses qui me correspondent. Et deuxièmement, je veux tenir et je veux défendre le patrimoine lyrique français, et à l'intérieur de ce patrimoine, l'opérette. Parce que je tiens à dire que si l'opérette est considérée comme has-been, ici, en France, aux États-Unis ou en Chine, c'est un des fleurons de notre répertoire parce qu'elle représente Paris, le grand Paris et toute la belle époque. Et ça, c'est splendide. Et je tiens d'ailleurs à saluer une revue extraordinaire. J'ai la chance d'y avoir un article dans la dernière qui s'appelle « Opérette, théâtre musical ». L'opéra et l'art lyrique, ce n'est pas simplement le magazine Opéra qui est remarquable, mais c'est aussi le magazine Opérette, théâtre musical. Vous êtes un bon ambassadeur d'un magazine, c'est vrai, où on parle bien de vous. Alors, je ne cherche pas à être mon propre ambassadeur, mais il se trouve que ce magazine, scrute, et les journalistes de ce magazine scrutent avec beaucoup d'adresse. Mais on va le conseiller à nos auditeurs. Effectivement. On peut le trouver dans toutes les librairies. Opérette Théâtre Musical. Voilà, c'est un magazine trimestriel, et je tiens à dire qu'il y a de nombreux artistes qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas fondamentalement connus des grandes scènes et qui chantent admirablement. Et oui, on vous voit en photo aussi, hein, je dois dire. Oui, alors effectivement, la photo des magazines, je suis désolé, cher Bernard, peut-être de vous décevoir dans la réalité. Non, mais pourquoi pas? C'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas rasé, mais je pense que tous les artistes qui viennent me voir ici ne sont jamais rasés. Oui, Je me demande pourquoi. J'ai toujours le respect d'essayer, j'ai toujours le respect de la tenue, particulièrement quand je viens dans une émission, même quand on ne me voit pas. Mais il se trouve que là, j'en suis confus, j'arrive des États-Unis, j'ai 7 heures de jet lag, Mais cher ami, vous êtes un être bohème, on va dire. Vous allez de ville en ville, de théâtre en théâtre et de pays en pays. C'est pour ça que vous chantez de Puccini la bohème. Ça aussi, c'est un tube. Ça, c'est un tube.
c'est mondial, intermondial, interplanétaire, intersidéral et tout ce qu'on veut. Et tous les ténors s'y sont confrontés. Qui va durer encore des siècles. Il faut le souhaiter parce que les beaux airs, les beaux opéras, ça perdure. Ça perd pas de certaine jeunesse finalement. Bien sûr. Nous écoutons, interprété par Stéphane Sénéchal. J'espère que votre maître, Michel Sénéchal, vous écoute. Bien sûr, il est affairé, il écoute totalement et peut-être même prend-il des notes. Et j'aimerais bien le recevoir. Avec plaisir. D'ailleurs, il vous passe le bonjour, m'a-t-il dit. Merci. Vous voyez, c'est une émission conviviale ici, IDFM Radio Anguin. La Bohème, interprétée par Stéphane Sénéchal. On va à nouveau se régaler. C'est de Puccini. Che gelida manina se la lasci riscaldare cercar de giova al buio non si trova ma per fortuna è una notte di luna e qui la luna l'abbiamo vicina aspetti signorina le dirò con due parole cosa faccio? Scrivo e come vivo? Vivo! In povertà mia lieta scialo da gran signore rimedi sogni e per chimere e per castelli in aria l'anima milionaria Yeah!
Puccini sur IDFM Radio Anguin avec la bohème interprétée par Michel. Non, pas par Michel, il aurait pu, bien entendu, par Stéphane Sénéchal. Ah ouais, c'est marrant parce que oh, j'arrive maintenant à confondre. C'est très intéressant, la petite confusion, très, très minimale, parce que on a proposé la bohème à Michel Sénéchal. Et oui, je le dis à la radio, on a une image de Michel qui est pas toujours celle que l'on croit. Karajan lui-même, lors qu'il enregistrait avec Pavarotti et Michel Sénéchal, a demandé, parce que Pavarotti avait été souffrant, que Michel le remplace. Et Michel dit, mais enfin, je sais pas pour ma voix, mais enfin, Herbert, je peux pas, c'est pas possible. Et Karajan lui aurait répondu, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la voix, c'est le personnage. Et je pense que là, on a fait un résumé de ce qui, pour moi, est l'essence même de l'opéra. L'opéra, c'est un engagement. L'opéra, c'est des situations de la vie. C'est la mort, la vie, l'amour, l'Orient, l'Occident. L'opéra, c'est un personnage qu'on interprète. Et la voix est là pour servir. Tant mieux quand elle est splendide, tant mieux quand elle est adaptée au rôle, mais on doit aussi travailler avec ce matériau. Et dans cette ère, bien sûr, il y a l'épreuve du fameux contrut, très difficile, mais il y a bien d'autres difficultés très complexes dans tout le rôle. Je précise que je n'ai interprété la bohème que en version récitale. C'est encore un rôle qu'on me considère comme étant un petit peu trop lyrique pour moi, donc je ne l'ai fait qu'en version récitale et je l'ai aussi enregistré. Et si on vous propose, vous l'avez chanté, Werther, ah oui, en entier. Werther, je l'ai chanté sur scène en entier plusieurs fois. Oui, ça c'est un rôle effectivement que je maîtrise un petit peu mieux, même si encore une fois, aujourd'hui, on a tendance à voir des Werther beaucoup plus lyriques. Moi, j'ai une fascination pour Jonas Kaufmann, par exemple, qui nous en donne une interprétation splendide, il faut le dire. Tant pis pour les quelques écueils aux Français. Voilà, je tiens à dire une petite chose. Chanteurs français, non pas unissez-vous, mais si la France ne vous propose pas tous les agréments que vous méritez parfois, exilez-vous. Et je le dis ouvertement, exilez-vous. Moi, je suis parti par quelques contacts aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne dit pas rien n'est impossible. Ce n'est pas la double négation. On dit pourtant impossible n'est pas français. Voilà, on dit tout est possible. Et effectivement, j'alterne aujourd'hui ma vie avec les États-Unis, avec Washington. Et je vous invite à aller voir une interview qui a été faite par une magnifique radio. Il faut taper sur YouTube Stéphane Sénéchal interview. Et vous verrez le travail, effectivement, que je fais là-bas. Je travaille aussi beaucoup en relation avec le Moyen-Orient et le monde arabe, qui arabo-musulman, qui aujourd'hui est en proie à l'atrocité. Alors, Massenet, ça réveille en vous. Tiens, je fais un jeu de mots, puisque vous allez interpréter pourquoi me réveiller. Et vous voyez, je vous dis tout de suite, ça vous réveille peut-être des souvenirs, Massenet, Werther. Ça vous ramène dans une vie très proche d'Enghien-les-Bains. Parfaitement. J'ai eu la chance d'interpréter à mes tout débuts, grâce à Pierre Scotto et à une dame dont j'ai admiré et j'admire toujours la voix, que j'aimerais revoir d'ailleurs. Que vous pourrez réentendre bientôt, mais j'en dis pas plus. Maïté Marie-Thérèse Pfeiffer. Oui. Et c'est son nom. Elle a Pfeiffer, toujours gardé exactement. Le nom de son père. Parce qu'elle avait une grande vénération pour son père, qui était un violoncelliste. Ah. Bon, amateur, mais un très bon amateur. Et puis vraiment un homme qui aimait les arts. Je crois qu'à écouter le violoncelle, elle en a hérité effectivement tout le legato, toute la ligne exceptionnelle, son sens des nuances. Je me rappelle d'un duo que j'ai fait avec elle de Thaïs. Ou bien même d'autres interprétations qu'on a pu faire ensemble, ici même à Enghien ou à Soisy, j'ai un souvenir ému et extraordinaire. Je tiens à dire que des chanteuses comme ça, même sur scène, on n'en retrouve pas tant que ça. Et sa voix est toujours aussi limpide. Bah, j'ai hâte de l'entendre. J'ai hâte de l'entendre bien, et vous de pouvez, rechanter. Alors, tiens, une surprise peut-être, le 16 novembre,
un concert lecture. Incroyable. Oui, un concert lecture autour de déclenchement de la Première Guerre mondiale. Ça va se réaliser à l'Orangerie du Val-Ombreux. Alors là, des poésies, des lettres de fusil à leurs épouses. C'est très émouvant. Ah, je comprends. Et il y aura également, la musique de Debussy, Fauré, Ravel, bien entendu, tous ces compositeurs qui ont traversé la Grande Guerre, faut pas oublier, hein, qui ont marqué de leur empreinte, et puis du Rosoir n'y sera pas. Mais c'est un musicien que l'émission 14 Mémoires, ici, sur les ondes, a fait redécouvrir. Et oui, il y a des musiciens oubliés, vous voyez, que l'on remet, je dis pas en vogue, mais que l'on recommence à apprécier. Et donc, ça se fait le 16 novembre, et il y aura des airs patriotiques. Je veux pas trop vous dévoiler. Il y aura aussi des airs religieux. Vous savez, quand les poilus se trouvaient dans une cagna, vous savez, près des tranchées, que cette cagna s'effondrait, que disait-il, hein, sous la terre? Il disait, maman, maman, il criait. Et au fond d'eux-mêmes, ils entendaient l'Ave Maria, par exemple. Pourquoi pas celui de Schubert, hein? Je ne sais pas si ça peut être Gounod aussi, hein. Bon, bien sûr. Il y a aussi l'Ave Maria de Cachilli, il faut pas oublier, hein. Il y en bien a des Ave Maria. Hein. Bon. Il y a de nombreuses Ave Maria. Mais enfin, ces pauvres poilus pensaient à leur maman, n'est-ce pas? Et puis, bien entendu, l'armistice arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est à la fin du spectacle. Imaginez, mon cher Stéphane, la Marseillaise entonnée à la fin. Nous avons fait ce spectacle en Corse. Et tous les Corses étaient debout, ils étaient encore très patriotiques, faut pas oublier, les Corses sont très patriotiques. Ensuite, le Dio Savigny Regina, vous voyez la Marseillaise, ça vous dit quelque chose, vous? Ah bah si, la Marseillaise me dit quelque chose, bien sûr, c'est d'ailleurs, elle est dans mon cœur, la Marseillaise, et elle le sera pour toujours. Et je veux vous dire quelque chose. Oui. Je suis là le 16 novembre. Ouais. Alors je veux pas dire qu'il faut en profiter, parce que je ne suis pas ni dans le profit, ni profitable, mais je suis là le 16 novembre, je serai présent. Et je vais même vous dire autre chose, que ce soit même dans le public, pour ne pas y être directement invité, je chanterai la Marseillaise. Je pense pas que vous soyez, tout est monté, hein, que vous soyez directement invité, mais pourquoi pas, je vais en parler aux organisateurs. Alors je suis prêt, j'y vais. Voilà, cela est dit, et on est vraiment d'attaque pour écouter « Pourquoi me réveiller », n'est-ce pas? Je crois que c'est d'à propos, c'est l'heure du thé, donc... De Massenet, extrait de ce magnifique opéra français. Un chef-d'œuvre absolu qu'est Werther. Exactement. Pourquoi me réveiller?
Pourquoi me réveiller, extrait de Werther de Massenet, interprété par Stéphane Sénéchal. Un véritable récital aujourd'hui sur les ondes d'IDFM Radio Anglais, n'est-ce pas Stéphane? Écoutez, je suis honoré, effectivement, que vous me consacriez ce récital audio-diffusé. C'est absolument formidable. Je voudrais juste dire, cette association et cette recherche et cette défense que je fais du patrimoine lyrique français, il touche aussi, bien sûr, la mélodie, l'opéra et l'opérette. Évidemment, il y a de nombreux artistes à l'intérieur. Disons que moi, je suis la partie un peu armée, entre guillemets. Je porte les dossiers sous le bras et j'y vais. Je ne suis pas meilleur que les autres. Et allez sur le site, vous tapez sur Internet l'art du chant français Michel Sénéchal, l'art du chant français Michel Sénéchal, et vous tomberez sur le site de l'association. Vous pourrez tout savoir et tout voir, et éventuellement même adhérer. Et l'objectif, défendre, promouvoir, remettre à la place éminente le patrimoine lyrique et musical français, notre langue, notre culture, sont les objectifs poursuivis par l'association L'Art du Chant Français, dont vous faites partie. Ah bon, il y a un mot qui m'interpelle, que j'aime beaucoup, quand vous dites notre langue, oui. C'est le respect de notre patrimoine culturel, notre langue. Notre langue, elle est l'essence même de notre patrimoine culturel. Je remonterai tout simplement même à la notion de nation par Renan. C'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont mon passé, on va dire, d'ayant fait de l'histoire et de la géopolitique. La langue est constitutif même de notre culture, de notre patrimoine et de notre patrimoine lyrique français. On ne peut pas chanter en français si le français n'est pas parfait. Nous arrivons au terme de cette émission. On aurait pu parler de vos projets, mais enfin, j'ai l'impression que vos contrats sont nombreux. Vous chantez beaucoup de choses, le 14 en octobre à l'église Saint-Eustache. Saint-Eustache, Picmal, Requiem de Mozart. Le 19, je serai à Toulouse dans Camille de Coutançon, la veuve joyeuse. Puis ensuite, je repars aux États-Unis pour de nombreux projets sur place, dont les pêcheurs de perles au Kennedy Center à Washington. Et enfin, je reviens ici en France en février, à Toulouse, à Bordeaux, avec quelques opérettes, Rêve de valse et La fille de Madame Angot, etc., etc. Et avec un air que nous allons diffuser, et nous allons nous quitter, c'est l'air de Florestan. L'air de Florestan dans Un mari à la porte d'Offenbach, enregistré avec le Philharmonique de Liverpool et à la direction Vassili Petrenko. Ce sera le final de cette émission où j'ai eu vraiment la grande joie, le grand bonheur de recevoir Stéphane Sénéchal, et puis on se revoit dans un an. Quand vous voulez, hein, Bernard, c'est avec un grand plaisir. Vous serez disponible entre le Japon, les États-Unis, pourquoi pas la Russie? Je tenterai, je pense. Et la Chine? Ah, la Chine. Oh, la Chine, mais il va falloir envisager un aéroport en gain. Vous savez, on peut s'exporter en Chine. Exactement. Merci Stéphane Sénéchal. Merci Bernard. Et merci également à notre technicien Paul Forti. Au revoir à tous, merci de nous avoir écoutés. Vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. IDFM sur 98 FM.